tout le monde, ici Doascoin7. Aujourd'hui, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, sur le serveur Imperium, et je suis avec IBStrave. Bah, it's BStrave. Coucou tout le monde. Et donc, voilà, en fait, je voulais vous montrer le jour 3 et 4, les avancements. Donc, tout ce qui s'est passé, il y en a pas grand chose. Il y a vraiment pas grand chose en fait qui s'est passé. Mais il y a eu pas mal de changements au niveau de la base. Donc déjà, j'ai fait la salle des coffres que je viens tout juste de terminer, hein, frais et dispo. J'ai mes trucs perso ici, et je vais mettre mon amendement complet. Donc que j'ai pas eu le temps de faire ma petite maison à moi pour placer mon stuff privé qui est ici. Sinon, qu'est-ce que t'en penses toi? Pas trop mal, pas trop mal. Yeah. Bah écoutez, moi de mon côté, il y a ma maison de fête que je viendrai vous montrer, mon stuff aussi, qui est plutôt bien intéressant pour les assos et tout ce qui va s'en suivre. Je te propose qu'on monte leur montrer tout ça. Oui. J'arrive, là, deux secondes. Donc, bien sûr, on a... Ah, fuck la pluie. On a assez avancé au niveau de la déco. Il y a encore des coffres à l'extérieur. On est en train de toutes les ramener au sous-sol. Attends, je vais baisser le volume de la pluie parce que c'est chiant mort. Donc là, la maison qui n'y avait pas au jour 2 mais qui a été fait au jour 3 et 4. La maison de Kirani. D'ailleurs, s'il pouvait se démute, ça serait bien. Ouais, Kirani. Au moins qu'il puisse dire bonjour quand même. Ouais. Donc la petite maison de Kirani, donc je peux le pas voir en seule maison, hein, c'est pas fermé. Ah, il y a la télé. Ok. Bah, okay. Bref, donc voilà, c'est chez Kirani, donc petite place, et je te montre de quoi, IBStrave, donc, regarde. Hop là. Ouah, merde, il y avait de la merde en bas. Ah, donc sa salle privée, avec son truc privé. Oh putain. Donc c'est pas tout des trucs privés là, je comprends pas pourquoi il a fait ça, mais parce que de toute façon on va transférer un peu de son stuff. Donc il y a des choses qui ont raison d'être privées, tu sais, comme Sharpness 3, Damage 5 sur sa Miller Tristrafe, la Golden Apple et tout, mais il y a d'autres choses que je me demande pourquoi. Genre un bloc de diamant, ok, pourquoi il fait ça, la mana pis tout, bon, en tout cas. Je vais y parler de toute façon. Bon, allez, Warp Rouge. Ok, donc pas grand chose d'autre. J'ai commencé à faire les routes pour le village. Donc ça a l'air de ça pour l'instant. Donc, petite route avec. La future tour des Seigneurs des Anneaux que j'ai été informé pour notre ami Toalex. Yeah, yeah. Qu'il faudrait qu'elle soit faite un jour. Voilà. Donc là-bas, il y a l'emplacement de chez MR Sprite. Chez qui? Et juste à côté, il y a chez moi, donc j'ai fait dans le thème. Je vous montre un peu tout ça. Tu viens d'où, Alex? J'arrive, deux secondes, c'est bon. J'ai juste rendu ça un peu plus beau. Allez, je cours. Donc voilà. C'est chez toi, ça? Oui. Donc mes minerais que j'ai, mon stuff. Des livres enchantés, cool. Ton stuff diams, ouais. Protection 4, avec... ça c'est moi qui l'avais mis, hé. Eh oui. Et donc là mon coffre privé... Voilà. C'est quoi ces merdes? Bombe, allumette... Bombe. C'est quoi ça? Ender Porter. Je peux essayer? What the? Chou. What you? Qu'est-ce que j'ai fait? What the fuck? Non mais sérieux, je suis où? Après c'est, je suis où là? Je peux rien péter où je suis. Bah c'est la chouette rouge hein. Mais ça m'emmène. Je suis au spawn. Ma warp rouge. Ah ouais, let's go. What the fuck, tu peux pas le dire souvent, mais... Qu'est-ce que c'est, cette merde, là? Est-ce que j'étais... Attends, j'arrive.
Ouais, les tours de garde, le château. Hein. Les tours de garde aussi qu'on a faites. La jolie église, un événement qu'on a fait aussi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'avancée du village au jour 3 et 4. Hein. Mais pourquoi vous mettez du diamant puis des matières comme ça dans votre coffre privé? C'est à tout le monde. Mais les matières bizarres, c'est pour faire de l'échange au PNJ. Oh, je sais. Et le diamant, je le garde pour faire du mana, donc... Ok. Donc, en tout cas, moi, je les mets toujours dans les coffres pour tout le monde. Néné. Donc, voilà. Après ça, c'est quoi qu'il y a de nouveau? Il y a... pas grand-chose, hein. Il y a... la salle des coffres que vous avez vu qui a été modifiée. Sinon, il y a la maison de ça. Il y a bien ça... Ah oui! Ce que j'ai fait aussi, au complet. Donc, la maison de faction avec un squelette devant. Tu vas mourir, toi. Merci. Donc, maison de faction, hein. Très important pour une faction. Donc, voilà une petite maison que j'ai faite qui est assez jolie. Sinon, c'est quoi que d'autre? Peut-être leur montrer ce que Olix est en train de faire, non? Ah, bah ouais, bien sûr. Bah ouais, Olix est en train de faire quelque chose. Dis coucou, Olix. Hein. Yo, coucou. Tu veux voir ma bite? Sa chaîne sera dans les descriptions comme celle de d'où Alex. Bonjour. Je sais même pas c'est quoi ta chaîne. Ah ouais, je sais c'est quoi ta chaîne. Qu'est-ce que je dis? Je t'ai demandé un truc en plus tout à l'heure. Ah ouais, je sais. C'est cool. Donc ici, où que Alex est en train de travailler pour le futur spawner de araignée, qui est assez difficile à gérer puisque ça marche pas nécessairement de la même façon à cause des mods et de tout. Ah, tu le mets comme ça? Fils de chien. Ouais, au final, c'est la meilleure solution. Mais faudra juste enlever l'eau et calculer la, que je calcule la distance qu'il leur faut pour qu'ils meurent en un coup. Ben, ça va, hein. Je pense que si on se met comme ça, puis on reste à AFK une couple de temps, ils vont tous tomber. En haut, faut rester à AFK en ouais, haut. Faut rester à AFK en haut de toute façon. Ok, puis on revient en bas quand il y en a plein, puis tu tapes dans le temps. Comme ça, tu vois, tu utilises pas ton stuff pour les débuter les araignées. Bon, au pire, on se fera plein d'épées en pierre, puis on les mettra à côté. C'est pas tant pire. Donc voilà, hein. Plus basique possible. Ouais, parce que, ouais, ça lag, ben, c'est buggy. Donc c'est pas cool. Ouais. Bah bon, normalement, comme ça, il y a de l'XP en masse. Ça a pas trop repopé au niveau des insectes. Donc voilà, tu restes à AFK ici et puis t'as des araignées à volonté. C'est good. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à montrer? Ouais, je crois bien que c'est tout, on a fait le tour. On a fait le tour de la base. Ben, bien sûr, on a trouvé toutes les autres bases. Hein. Les bases ennemies, donc les verts, les bleus et les magenta. Donc on les a toutes en ligne, sauf les verts qui sont un peu décalés, mais ils sont juste à côté de chez nous. Pour l'instant, c'est la faction la moins forte. Puis t'as les magenta qui sont vraiment forts, mais ils vont se faire décalisser par tout le monde en même temps dès le début, puisque tout le monde rage dessus. Puis après ça, ben, y a nous autres qui sommes les deuxièmes plus forts pour l'instant, donc ça devrait bien aller. En alliance avec les verts. Ouais, non, les verts, non, les bleus. Les bleus, c'est ça. Ouais, les verts, ils font chier. En gros, c'est ça. Y a pas d'autre chose à dire, à mon avis. Bon, moi, je continue de déplacer les coffres. Je sais pas pour toi, mais. Je vais juste dire ciao. Je vais aller commencer à miner, moi, personnellement. Bah moi aussi d'abord. Donc pour pouvoir faire ta tour. Ah c'est good. Donc juste pour vous apprécier cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un j'aime, c'était 2S17 pour le jour 3 et 4 de Imperium. Merci et bonne journée.